Bonjour, bonsoir. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est l'ouverture d'un colis énorme. Alors, malheureusement, la première partie de ma vidéo n'a pas été prise en compte par ma caméra. Je ne sais pas pourquoi. Donc, l'ouverture en elle-même, eh ben, la toute première ouverture, je ne l'ai pas. Je suis désolée, il y a la suite où j'ai commencé à déballer les choses, mais je tiens à refilmer. Donc le paquet, voilà, il était énorme, il est comme ça. Et c'est Béatrice du 16 qui gentiment me l'a envoyé. C'est un don, vraiment, c'est un don et je te remercie. J'ai mis du temps à l'ouvrir parce que je voulais vraiment être seule, au calme, dégagée de toutes mes obligations de travail. Je suis juste en train de refaire mon site et voilà, donc j'ai pris le temps. Donc vous voyez, il est déjà ouvert. J'ai déjà vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vous spoile pas. Il y a quand même du déballage et après je vérifie tout, je regarde tout un peu en détail. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vous dis que ça a coupé. Je te remercie infiniment. Je vais t'envoyer un message pour te remercier et dire ce que tu veux en échange. Merci. Ah, je vous laisse avec la suite. Au revoir. Bon, alors je ne sais pas. Ma batterie est neuve. Je viens de la remettre et ça a coupé. Bon, alors je vous mets ça de côté. Je ne sais plus où j'en étais, mais hop, hop. Oh là 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 là. Je verrai bien au montage ce qui s'est passé. Mais bon, j'ai pas encore fait la présentation. Voilà, je pense que je vois la carte. Alors attendez, hop, ça je vais le mettre comme ceci pour pouvoir mettre. Attention. Et oui, tout ça. Magnifique. Bah alors là, je sais même pas quoi dire. Alors, comme tu es en train de refaire, de vider ta scrap room, je me dis que si je te fais des créations, ça va peut-être... voilà. Mais de toute façon, je vais discuter avec toi. Tu dois être impatiente de savoir ce que j'en ai pensé, puisque je ne t'ai toujours pas dit. Et je m'en excuse, mais je vais te montrer cette vidéo et tous mes waouh. Oh là 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 là. Voilà. Alors, le paquet... est vide, merci. C'était effectivement bien rempli. Et je vais lire ta carte. Alors déjà, bon, j'ai pas mes lunettes, mais voici sa jolie carte. Dommage que tu arrêtes le scrap. Alors j'avais le souvenir, ça s'est décollé. Ou alors c'était pas là. Non, je pense que c'était pas là du tout. Tu es super. Parce que ça. Ouais, non, c'était pas là du tout. C'est trop joli ces couleurs-là. Voilà, je peux le lire, il n'y a rien de secret. Coucou Sandrine, je t'envoie quelques bricoles. Je ne fais plus de scrap et je fais du tri dans ma pièce. Et au lieu de jeter, je préfère en faire profiter les copinettes. Donc j'ai déjà fait des échanges. Eh ben, merci beaucoup Béatrice. Là, c'est vraiment un geste de folie. Et regardez, c'est encore cette jolie petite carte, toute simple, mais efficace. Voilà. Merci à toi et ta générosité. Alors, regardez, des petites boxes vides. Alors ça, c'est vraiment superbe parce qu'ils en ont sorti chez Action avec plein de perles et les box m'intéressaient, enfin les boîtes, mais les perles c'est bon, j'en ai plein. Donc là ça c'est assez sympa, c'est très sympa aussi pour donner aux enfants avec il y a combien de compartiments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3 et 3, non, 2, 4, 6, 8, 8 et 8, 16. Oui, si je mets 3, ouais, voilà, pour séparer, pour leur donner à plusieurs tables, voilà, des perles, j'avais
préparer des choses. Ils n'ont pas voulu faire un petit bijou en perles. J'étais très étonnée. Mais voilà, quand on a commencé le scrap, après les perles, peut-être que ça nous paraît. Bon. On raconterait ça dans une autre vidéo. Alors, bah ça, c'est trop sympa. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en utilise pas puisque j'en ai pas. Non, je suis sûre du comme ça. Eh ben, merci beaucoup. Ça, je sais que ça va être utilisé, très utilisé. Merci! Alors, il va y avoir plein de merci. Cette dentelle-là, moi, je ne m'en sers pas. Mais peut-être que je vais trouver une utilité. Mais le gris comme ça pour les enfants. Alors, dans ces cas-là, je vais faire des cartes de condoléances. Ça peut peut-être vraiment bien s'y prêter. Voilà, merci. Alors, je continue. Il y a celle-ci en blanc pour mariage. C'est fait. Elle les a remis sur ces rangements. J'imagine que tu les mettais comme ça. C'est vrai que ça prend moins de place quand on refait son rangement. Mais qu'est-ce que c'est comme boulot? Hop! Peut-être que le mieux, ce serait de remettre dans ton carton et que je puisse le ranger après. Je vais me dépatouiller un peu de place sur le bureau. Je n'avais pas fait correctement. Voilà. Hop là. Est-ce que ça? Non, ça c'était. Alors, il y a des petites créations en plus. Ça, c'est à mettre directement sur nos créas. Marrant, ces petits cœurs. Hop, en voilà un autre. Détails. Des tags cartonnés. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Pardon. Détails. Alors moi, je suis une folle, folle détail. Ah, c'est pour faire un support pour Memory Dex. Ça doit être ça, il y a une petite photo là. Ça doit être ça. Non. Bah pourtant. Ou une petite machine à écrire. Ben, merci beaucoup. Alors moi je fais plus de Memory Dex. Mais je vais voir, je crois que j'ai une amie qui en fait beaucoup. Donc continuons dans le partage. Je pense que s'il y a des choses, et je pense que tu ne m'en voudras pas. Ben voilà, si mon ami le veut, je lui offrirai. Encore des tags. Bon, alors là, il y a plein de die cuts. Alors, je ne vais pas vous les montrer, hein. Vous avez compris qu'elle m'a offert un tas de die cuts. Et merci. Alors, je vais plutôt essayer de tout remettre ensemble. C'est quoi cette petite maison? C'est un grand die cut. Voilà. Ah, ceux-là, c'est des anciens que j'ai eus. Peut-être que j'ai encore quelques-uns. Je les remettrai dedans. Super les tags. Alors, si j'en ai. Oh là! J'ai l'impression. Ça, c'est sympa. Je vais les reprendre, les autres, et je vais les compter. Je pense toujours à mes ateliers des enfants, et toujours avec un petit peu de. Ça, j'adorais, c'est ceux-là avec du foil, ils sont magnifiques. Les petits. Voilà, il y a un petit tri que je ferai, hein, on est bien d'accord, hors caméra. Hein, mais pas. Hop, des petits. Non, des petits nœuds. Ça, c'est toujours les petits. Ceux-là, ils sont superbes, ces die cuts. Pas d'où tu les as eus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ils sont cartonnés en fait. Ce ne sont pas des die cuts, mais des chipboards. Les petits boutons. Voilà, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Je vais essayer de trouver une boîte pour les trier avant de les ranger, forcément. Hop,
Ah, ces petits éléments en bois là, ces petits cœurs. Ah oui, il y a vraiment de tout, hein. C'est vrai que dans mes souvenirs, j'ai regardé l'échange que j'avais fait avec toi. T'étais plus vintage, mais pas tant que ça avec tout ce que tu me montres. Enfin, c'était. Ah ouais, ceux-là, en fait, cette série, je les adore. Ben voilà. Oh. J'en avais plus, je crois. Un petit peu peut-être. Hop! Ah bah t'as tout le paquet là. Ceux-là, ils sont marrants. Hop, hop, hop. Alors ma main va déborder. Donc avant de tout faire tomber, vite, vite, une boîte. Oui, j'en vois une là-bas. Hop là, une boîte vide. J'ai rangé les ateliers des enfants là. Une semaine d'atelier. C'était génial. Hop. Alors voilà, je vais mettre ça comme ça. Et je vais continuer à mettre les petits die-cuts que je vois là. Oh là 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 là. Il y a de quoi faire. Je te remercie. Peut-être, j'avais déjà un peu mon thème pour mes prochains ateliers en octobre. Ce sera plutôt l'automne. Mais bon, après. Je dirais pourquoi pas là les papillons, ça me tente. Après les papillons, il y en a encore en automne, il n'y en a plus. Hop. Ça c'est abîmé, faire attention. Et voilà, je vais avoir fini de mettre dans la petite boîte. Ça va, j'ai eu peur qu'il y ait beaucoup de choses qui soient abîmées parce que ça bougeait beaucoup dans le paquet. Mais non. Donc voilà. Alors, voyez la quantité quand même de die cut. Voilà, tout ça. Alors, moi, ça s'en est pas. Alors, l'étal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. 12, 13, 14, 15, et ben 16, 17, et ben ça c'est parfait. On va trouver une utilité pour les enfants. On va les customiser, mettre des choses dessus. C'est super. Hop, on va mettre ça derrière. Alors, un ruban, un de Pâques. Hop, ben ça va aller dans mon de pack. Un petit washi, celui-ci, Mary. Enfin, c'est Joyeux Noël, je sais pas quoi. Celui-là, je l'ai. Là, il y a écrit des choses dessus que je ne lirai pas. C'est en anglais. Celui-ci, sur la gourmandise. Avec des. Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des muffins, non. Et ça, c'est une dentelle. On va regarder ça après. Alors, je vais juste revenir sur. Est-ce que c'est toi qui les as créés? Ça se pourrait bien, hein? On te les a envoyés, puis tu les envoies à nouveau parce que tu les utilises pas. Ça, je me dis que bon, c'est pareil, c'est pas fait par les enfants, mais ça, ils peuvent les coller. S'il y en a 15. Mon souci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Bon, peut-être qu'il y en a un qui traîne. Après, quelquefois, j'ai des enfants en moins, donc si je. Ce papillon-là est juste magnifique. Une plume, la petite maison. Voilà, les petits oiseaux. Là aussi, il y a des petits oiseaux. Les petites choses comme ça. Donc, dis-moi si c'est toi qui les as créés, ces petits cœurs. Je regarderai peut-être que j'en ai loupé un petit cœur. Après, je
peut faire le modèle et puis Ah oui, mais oui, ceux-là, ça a l'air d'être des superpositions de cœurs. Hein, en fait, c'est une idée pour leur faire faire. J'ai cru que c'était du bois. Mais en fait, bah non, c'est toi qui les as fait. Donc, je peux leur faire faire. Et puis après, bah, s'ils en veulent d'autres, ils prennent ceux-là. Parce que bon, c'est mieux quand ils les font quand même. Voilà ma petite boîte. Hop, je vais mettre ça dans la grande boîte. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à vous montrer dans tout ça? Donc une paille, un bouton. Et là, alors ça, très sympa. Le pop dot adhésive. Donc en rond, si on n'avait jamais eu. Très 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 sympa. Et là, il y a trois tailles différentes. Ah oui, 3 mm, 2 mm, 1 mm. Trois épaisseurs. Ah ouais, les 3 mm sont géniales. Oh lolo, ben en veux-tu, en voilà. Ça y est, je commence à leur en donner aux enfants parce que finalement j'avais l'impression que leur petite main était un peu trop. Qu'ils étaient un peu trop. Alors là, il y a des fonds de cartes. Quelques fonds de cartes avec des enveloppes. Et donc tout ça. Ce sont des doubles faces carrées. Oh, ben merci. Hop, je vais mettre tout ça dedans. Voilà. Oups, un petit die cut. Attention, hop, dans la petite boîte. Alors, des alphabets. Celui-ci, je crois que je ne le connais pas et je ne l'avais pas pris. C'est pas facile de les utiliser. Mais je pense que je vais quand même commencer à me dire, ben les enfants, ils aiment bien mélanger, ça les dérange pas. Donc leur faire faire leur prénom avec des choses comme ça. Celui-ci, ça doit être la série que j'ai prise. Celui-là, je sais que j'en avais pris beaucoup. J'ai toujours pas utilisé, mais ça va venir. On a plein d'ateliers en attente. Des strass, ça ils adorent les strass, merci. Alors là, une jolie petite boîte. Bon, ça, la gorgeous. Je sais à qui ça va plaire. Et puis en plus, la petite boîte, merci beaucoup. Donc, dans les dentelles. Ah, c'est quoi ça? Ah, ce sont des dentelles autocollantes, des stickers. Ah ouais, bon, ok. Ce n'est pas ça. Et là, c'est la même chose. Ça se pourrait bien. Oui, adhésif. Donc, en violet. Et deux dentelles. Ça, j'aime beaucoup. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est en papier. Papier. Self-adhésif. Papier auto-adhésif. J'imagine que si tu le mouilles. Voilà, il y a la colle là. C'est sûr. N'y a pas vraiment de notice. À part. En papier auto-adhésif. Je vois que ça parce que je me vois pas mettre une. Ça doit être ça. Doit mouiller. Je ferai un test. Alors ça j'adore. Hein. De la dentelle en plus en papier. Ça fait pas le même effet au niveau toucher que du tissu. Mais merci. Merci. Hop, je vais mettre ça là, pas les abîmer. Alors, super. Hein. Un petit boîtier en plus avec des. Alors ceux-là, je ne les ai pas achetés. Je sais pas de quand ils datent. Est-ce que c'était récent? Tu les as pas beaucoup utilisés. C'est du. Ah
Ah ouais. Pas mal. Waouh. J'aime beaucoup. Zut. Ah bah j'ai fait ça sur un papier photo, hein, l'arrière d'un papier photo. Donc ça va peut-être différent si... Et ça absorbe plus sur un papier ordinaire. Je préfère cet effet-là. Mais je sais pas si ça va sécher. Eh bien, ils sont très jolis. Super. Alors, effectivement, je ne les avais pas achetés. Alors, all surface, toute surface. Ben, je veux bien toute surface, mais le glacé, ils sont très, très, très jolis. J'aime beaucoup la couleur. Bon, mais ça, alors moi, je vais plutôt les mettre dans l'autre sens. J'ai peut-être un tort, mais... Ils ont adoré les glitters, ceux-là, là, les derniers qu'ils ont fait chez Axe, enfin les avant-derniers, je crois. Ceux-là, là, ils ont adoré. Ils ont beaucoup, ils ont beaucoup utilisé, donc ça c'est bien. Moi, je leur avais demandé d'utiliser les métalliques après. Voilà, donc vous verrez dans... Et c'est super. Alors j'ai une place là, j'ai une autre boîte. Hop, je peux les mettre dessus, l'une sur l'autre, en espérant que voilà, mon chat n'aille pas. Et je garde cela, je dirais le meilleur pour la fin. Parce que je suis une fan des daquettes. Je vois des choses. Il va falloir que je trouve les... Ça, ou c'est un crâne, une crinière. Les notices. Savoir à quoi tout correspond. Parce que là, tu m'as perdu. Ah, c'est marrant ça. Une petite poche. Hop. Ah, c'est pour découper le haut, le bas, non, le haut. Ça, ça découpe. Ça, ça découpe pas. Friends, amis, ok. Glyph, cadeau, c'est ça, je crois. Là, c'est quoi? Un petit lapin? Ça ressemble. Alors, je vais mettre ça là-dedans. D'accord. Alors, je sais pas hein, pourquoi c'est fait tout ça. Hein. Là, je pense que ça reine, mais ça coupe pas. Bon, ce sera à essayer. Je t'avoue que là, tu m'as perdu. Oups, encore un tout petit. XO, XO, XO. Hop. Je ne sais pas. Bon, c'est à trouver hein, tout ça. Hein. Alors ça, à mon avis, ça c'est un bonhomme de neige. Il y a tout ce qu'il y a pour le refaire. Ça, je ne sais pas. Alors là, il y a des citrons, des poires. Ça c'est pour faire des fruits. Hop, un love. Alors, celui-ci. Je ne sais pas. Et là, un tas de petits éléments. Et des jolies formes. Ça, c'est peut-être pour faire
Des formes de Noël, des... Celui-là, il est joli, ça. Est-ce que ça rentre là-dedans? Mais en même temps, non, parce que si on le découpe, ça, on peut plus... Ça va peut-être pas avec. Bon, ben voilà. À m'amuser à trouver à quoi tout correspond. Je te remercie, en tout cas, pour cette généreuse attention. Sincèrement, comment te remercier puisque tu veux arrêter le scrap. Donc voilà, maintenant une création. Maintenant j'ai. Il faudrait que je te fasse une création pour toi, pas quelque chose que j'ai déjà fait. Donc ne t'inquiète pas, ça arrivera peut-être pour Noël. Non mais je suis en retard sur un tas de choses, c'est pour ça que je fais plus d'échanges. Et la préparation d'atelier pour 15 enfants, ça demande beaucoup de temps. Et j'ai d'autres ateliers en attente. Je vais recommencer mes ateliers au bar à chat à Séné. Donc voilà, et je suis surtout en train de faire mon site internet. Je vous montrerai ça quand il sera fait. J'espère la fin de la semaine. J'ai fini en tout cas tous les articles, puisque je vais faire ça sous forme de blog. Et donc je rattrape le temps, entre guillemets, où c'était des pages statiques. Je te remercie beaucoup, Béatrice. Merci, merci infiniment. Comme je te disais, on va en rediscuter pour te racheter d'autres... Enfin, t'acheter d'autres choses pour les ateliers, pour les enfants. Et je te remercie. À très vite. N'oubliez pas de commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de générosité de fou. En commentaire, likez et pour propulser ma chaîne. Et tous ceux qui n'ont pas encore cliqué sur abonner, n'hésitez pas. Il y a des tutos en attente, mais ils sont pas encore filmés, donc voilà, j'ai pas de date, c'est vrai que là, l'été a été un petit peu difficile et le planning n'est pas du tout respecté dans ma tête, en tout cas. J'avais autre chose à vous dire, je réfléchis, je me retourne, je sais plus, ça reviendra. Moi je vais faire en fait un peu comme toi, je vais faire un colis pour... l'ancienne école de mon fils, avec du loisir créatif pour enfants, parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses que j'utilise plus, parce que je ne fais plus les tout petits, et je vais les donner à la maternelle. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire de votre matériel, pensez aux maîtresses aussi, même en élémentaire, etc., même si ça ne vous paraît pas beaucoup, pour elles, c'est génial. Dans les écoles publiques, ça leur fait un bien fou. Merci à vous. Donc je redis, commentez, likez, abonnez-vous. Bye bye.